effusion de joie, klaxon et vuvuzela à Lusaka en Zambie pour célébrer la victoire d'Edgar Lungu à la présidentielle dès le premier tour avec 50,3% des suffrages. Une victoire de justesse est aussitôt contestée toutefois par son principal adversaire, Hakainde Hichilema, qui obtient 46,7% des voix. Il dénonce une tricherie. Nous avons des preuves que le nombre de voix en faveur d'Hakainde Hichilema a été délibérément réduit, avec la complicité de la commission électorale zambienne, affirme un responsable du parti d'opposition qui veut porter l'affaire devant la justice. Ces déclarations alimentent la tension en Zambie après une campagne électorale marquée par des violences entre les deux camps. 3 personnes sont mortes, chose inédite dans ce pays réputé stable et aujourd'hui miné par la crise économique, avec la chute du cours du cuivre dont il est le deuxième producteur en Afrique.